🎵🎵 Bonjour à toutes et à tous. Du coup, PHP Storm égale cœur et pas PHP Storm égale inférieur 3. Cette fois, j'ai réussi à le faire. On progresse. Je voulais vous parler de PHP Storm parce que ce que je disais, c'est que ça me rend beaucoup plus productif et ce que je mettais dans l'abstract dans de la conférence, c'est que ça m'a de la joie depuis que je suis passé sur PHP Storm. Je reviendrai pour rien au monde en arrière. Mais si vous n'utilisez pas PHP Storm, mon but n'est absolument pas de vous le vendre. Je ne suis pas payé pour faire cette conf. C'est juste que je suis un. Happy customer. <laughs> mais, euh, si vous trouvez cette joie avec vos outils, c'est parfait. Si vous avez mis en place l'écosystème qui vous rend efficace et qui vous permet de travailler avec confiance, restez là où vous êtes. Genre, c'est trop cool. C'est ça qu'on veut. C'est ça l'idée générale. Et on va voir moi ce qui m'apporte de la joie dedans, mais c'est un peu différent. Il y a de la joie. Il y a de la joie à être efficace. Euh, efficace quand j'écris du code ou quand je modifie du code. Et je peux le faire avec confiance parce qu'il y a des outils qui me permettent d'aller vite et d'aller sereinement. Ça, c'est le premier point de cette joie. Il y a une autre joie qui est une joie de jeu, un peu. Euh, il y a un jeu de créer ces outils, donc de passer énormément de temps <laughs> à créer des outils qui vont me faire gagner deux minutes à la fin. Mais c'est un peu un jeu, donc c'est un peu drôle. Donc il y a cette joie-là aussi. de dire, créez vos outils, amusez-vous. Surtout si vous faites ça sur votre temps de travail. Non? OK. Euh, et après, il y a un autre jeu qui est de trouver la combinaison. De, une fois que vous avez vos outils, ou qu'il y a les outils de l'IDE, c'est de comment vous allez enchaîner les différents outils pour être capable d'aller très vite. Euh, et de faire bah, des gros changements de code en quatre appuis de touches, juste pour rigoler. Donc, y a, je là un peu ce défi de OK, en combien de couches je suis capable de le faire celui-là. Et enfin, l'autre but de cette conférence, c'est de vous dire, on a les outils dans nos IDE qui permettent de faire ces trucs-là, de travailler sans crainte et de modifier du code facilement et de faire des plutôt des gros changements. Et c'est un peu vous dire, en fait, vous les avez. Euh, moi, je bosse avec des équipes et les gens les utilisent assez peu. Si c'est votre cas, Apprenez à les utiliser, c'est vraiment trop cool et ça va vous enlever une peur de modifier votre code. Et j'espère qu'en fait, à la fin, on va tous réussir à modifier un peu plus notre code et que dans un an, on aura tous des meilleurs codes-base et on sera tous plus heureux dans nos vies parce qu'on n'aura pas des noms de variables complètement pétés de tous les côtés, par exemple. Pour faire tout ça, j'ai un petit challenge à vous proposer. Je parle énormément de tests, pour ceux qui me connaissent, et je travaille pour une société qui vend des burritos. Et donc, j'ai ma classe d'invoice de test. Nous, quand on vend des burritos, à un moment, on les facture. Et il y a ce test qui est Invoice Test. Euh, invoice Test, c'est un test qui n'est pas si mal que ça. Le, le total d'une invoice, c'est la somme du prix de tous les burritos. Pour faire ce test, on crée une invoice. On va ajouter des burritos dans notre invoice. Donc, on va ajouter un burrito à 10 balles euh, qui a euh, qu des ingrédients qui sont de la tomate, du riz, salade, haricots et bœuf et une sauce dulce. On a un autre burrito à euh, 8,50 euh, qui lui prend du tofu et qui prend une sauce à l'ail, mais qui est voilà, 8,50. On a un troisième burrito à 10 euros euh, qui a du bœuf aussi, mais une autre, une, une autre sauce qui est piquante. Enfin bref, vous voyez, on a plein de burritos différents et plein d'informations différentes. Et à la fin, on vérifie que le total de notre facture, c'est 38,5 quelque chose. C'est des flottes. On a appris avant que c'était une très mauvaise idée de mettre des flottes, mais c'est pas le but de la conf. Mais mettez pas de flottes quand en vous faites des monnaies. Au on voit que dans ce test, il y a beaucoup d'infos qui servent a priori à rien pour notre compréhension de ce calcul de prix. Les ingrédients sur le prix, on s'en fout. Ils n'ont ils pas d'influence sur le prix, donc sur le total de notre facture, aucun intérêt. La sauce, pareil. Du coup, on a beaucoup de bruit dans ce test. On a des informations qui servent à rien. On aimerait juste avoir le fait qu'on ait des burritos avec le montant, le prix de chacun des burritos. Du coup, le but du jeu pour nous, à la fin. C'est de réussir à introduire un builder. Donc, on va l'introduire en essayant de ne pas trop coder. Et de le mettre en place partout dans les tests pour avoir des tests qui sont super lisibles en écrivant un burrito au prix de 10 euros. On le construit et donc, comme ça, on voit qu'on a que les informations qui sont pertinentes pour notre test. Et le but, c'est de le faire sans trop se fatiguer, bien évidemment. Pour réussir à faire ça sans trop se fatiguer, et ça, je vous ferai bosser pour le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Pour le faire sans trop se fatiguer, on va faire un détour par le monde du tennis. Oui, voilà, ça n'a ni queue ni tête. Euh, pour parler des outils de refactoring qui vont nous aider à travailler, je me suis basé sur euh, le tennis game kata, qui est un kata qui est proposé par Emily Bech, qui est une coach tech, une coach tech qui propose énormément de kata. Donc les kata, c'est des exercices que vous pouvez faire tout seul ou en équipe pour travailler des choses sur votre manière de bosser tout seul ou en équipe, ou travailler des techniques de code, ou euh, bah, apprendre des outils de refactoring, le test, le TDD, peu importe. Et ce kata-là, le Tennis Game, il est spécifiquement fait pour euh, voir du code qui est un peu crado mais pas trop, et euh, pratiquer les refactoring, donc repérer les semelles dans le code et aller le modifier pour qu'on ait du code mieux à la fin. Donc c'est un kata qu'ils utilise pour ça, et il est très bien parce qu'il y a plein d'exemples. Et donc, du coup, le tennis game, on va le regarder ensemble, on va essayer de trouver les. On va faire des refactoring pour améliorer ce code-là. Pas fabuleux, mais pas, pas le pire que vous verrez de votre vie, je pense. En tout cas, je vous souhaite que ce soit le pire que vous voyez de votre vie, finalement, mais. Ouais. Le but du tennis game, de cette classe tennis game, ça va être de vous donner un score, de calculer le score, euh, le monde du score du tennis. Moi, je ne comprends rien au tennis, donc en plus, je vais vraiment faire du refactoring pour améliorer la tête du code sans comprendre ce qui se passe. On a une méthode getScore qui est capable de nous donner un score par rapport à la, aux règles du tennis, par rapport à des P1 et des P2, on ne sait pas trop ce que c'est. On a une méthode one point où euh, on passe un nom de player et on fait des plus plus, on incrémente des propriétés. Là on peut se dire on va y aller doucement, on va prendre un petit risque, on va dire le pari, c'est qu'on peut renommer ici P1 en player one score. A priori, c'est qu'on augmente le score du player one. Là ce qu'il a fait, l'idée, il n'a pas fait un bet Search and replace, comme il a une compréhension statique du code, il est capable de comprendre le code, il sait qu'on est spécifiquement en train de renommer la propriété P1, et donc il ne va pas aller renommer tous les P1 qu'il trouve dans le fichier. Déjà, au moins, on a un peu scopé sur le... la modification qu'on fait, on ne se retrouve pas à modifier du code. J'ai oublié de vous parler d'un truc, je termine mon question Il ne va pas modifier plein de trucs et prendre des risques pour nous. Pour réduire nos risques, nous avons des tests qui tournent, bien évidemment. <laughs> on ne fait pas de refacto sans avoir de tests. On, fait de la sans On peut faire de la réfacto sans ordre de test. Euh, un truc que j'aime beaucoup avec PHP Storm, c'est la possibilité de pouvoir lancer les tests depuis l'IDE, donc de pas avoir à faire un alt-tab pour aller chercher mon terminal, euh, passer devant Twitter, <laughs> rester bloqué sur la fenêtre Twitter pendant un quart d'heure avant d'arriver sur mon terminal, faire le chemin inverse et passer une demi-heure à lancer mes tests. Donc ça me permet de lancer mes tests directement, ça me permet aussi de lancer un test en particulier. Euh, comme ça j'ai pas besoin aussi de faire des copier-coller avant pour mettre les noms des tests et ça permet de lancer le debugger bien facilement bref, c'est hyper cool de pouvoir lancer les tests dans l'IDE si vous ne mettez pas ça en place franchement essayez-le, ça prend pas longtemps de le mettre en place pour PHP Store, mais je sais que ça marche dans d'autres outils on peut même lui dire lance les tests tout le temps, ça veut dire que tous les refactorings qu'on va faire là ensemble pendant 40 minutes ils vont être couverts par les tests et si à un moment je me loupe ou vous vous loupez je ne vous laisserai pas vous louper on, va, on sera au courant donc les tests automatiques. Donc là, on a vu que la modification, n'avait pas changé. Les tests continuent de passer. On va faire pareil pour Player 2. On va le rename aussi. Player 2 score. On a Internet. Donc en plus, on a l'IA qui nous aide en disant, ah, a priori, ça serait bien ça, un nouveau nom. Donc là, ce qui s'est passé quand on a fait, quand on a modifié Player 1 score et Player 2 score, il a été modifié le nom de la propriété là-haut, des propriétés, et il les a modifiés dans le code ici. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre sur ce code Il y a pas mal d'autres trucs. Un truc qui Chatouille un peu, c'est de voir qu'il y a de la donnée qui est mélangée avec l'algorithmique. On déclare des données, là ici les noms des points. Ben, je me dis que ça, ça pourrait être vachement mieux si on en faisait une constante, qu'on va appeler point names. Et comme vous voyez, j'ai plein de fautes de frappe, c'est aussi pour ça que j'automatise le fait de ne pas taper. Il a créé en haut notre constante point names et il l'a utilisé. Donc il nous a fait tout le travail pour nous, on n'a pas eu besoin d'aller faire des copier-coller, de déplacer le truc. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? On remarque truc intéressant quand on fait de la refacto, c'est de remarquer les patterns qui se répètent et c'est de se dire on va les placer côte à côte, peut-être qu'on va avoir une idée derrière pour les traiter. On voit ici ligne 24 et ligne 27. qu'on a à peu près la même forme, on fait $p et on passe un player score, donc dans un cas player one score, player2 score. Ce qu'on peut faire ici, c'est faire un extract de variable. L'extract de variable, c'est un refactoring où on va prendre une expression, il va déclarer une variable avec cette expression et tous les endroits où cette expression va être utilisée, il va la remplacer par la variable. Ça, on est capable pareil, de changer du code hyper facilement. Une fois qu'on a fait ça, on marque d'autres trucs. On va pouvoir faire le refactoring Le, refactoring, le, refactoring. Super. le refactoring inverse de extract variable qui est inline variable. Si on regarde ici les lignes 23, 24 et 25, finalement la variable p là, elle n'est pas super utile. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser directement à la place de... On pourrait utiliser pardon, directement la constante self.names à la place de p. Et là, on peut se mettre là, on peut faire inline. Oh, pas du tout. Faire inline. Il nous a remplacé toutes les occurrences de la variable par le contenu de l'expression qui était passée dedans. Et on voit en bas qu'il y a nos tests qui continuent de tourner. Donc voilà comment on arrive à bouger le code petit à petit. Une fois qu'on est là, qu'on a ce code là sous les yeux, on remarque un autre truc. On a ce this player one score et this player two score. Ok, on comprend que c'est l'égalité. Euh, Peut-être que ce serait plus parlant de monter un peu d'un niveau d'abstraction et d'avoir quelque chose de plus lisible et pas de voir à chaque fois lire le code et dire OK, player One score égal égale player2score, l'égalité. C'est un bon moment pour faire un extract de méthode et dire OK, euh, is style. Et là, il se passe un truc intéressant. L'IDE nous aide. nous dit J'ai remarqué un autre endroit dans ton code où ce this player1score égal égale this player2score est aussi utilisé. Donc en fait, il est capable de reconnaître des bouts de code et de se dire ça. Peut-être que ça t'intéresserait d'enlever cette duplication. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble On dit oui, merci. Là, il nous dit bah, ligne 30, en fait, il y a aussi cette notion d'égalité qui est utilisée. Est-ce qu'on ne remplacerait pas Bien sûr. Et donc, il nous a déclaré notre méthode eStai, qui retourne un boulet 1 qui fait player1Score, player2Score, égal égal, player2Score. Donc, on voit comment l'idéE est capable aussi de nous faire remarquer des choses dans notre code qu'on ne remarquerait pas sans lui, qu'on pourrait remarquer sans lui. Et là, du coup, on peut vraiment faire des, des refactorings très opportunistes, aller tenter des choses voir ce qui se passe et au pire si on a un truc qui nous plaît pas on revient en arrière on s'en fout enfin, c'est du code euh, on pourrait commiter à chaque fois et revenir en arrière on va pas le faire c'est trop long et voilà l'idée a... on est en train de parler d'extract de variable d'extract de méthode pardon il y a un autre truc ici euh, ligne 23 24 Cet appel directement à la constante peut-être qu'on pourrait bah, pareil monter le niveau d'abstraction et dire qu'on est en train de convertir un score en nombre de points je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien le côté jeu d'imaginer en plusieurs comment enchaîner les coups petit à petit. Moi, j'appelle ça la métaphore de la vague euh, parce que je, je vois les refactoring comme on déroule des refactoring et à la fin ils se Et tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit oui, mais les vagues elles font absolument pas le retour comme ça, elles font un retour bien plat. Ils m'ont dit donc en fait ils juste en train de nous parler d'un tapis. Donc retenez au choix la métaphore de la vague ou la métaphore du tapis. On va prendre la métaphore de la vague aujourd'hui. On va faire un premier refactoring, enfin on ne va pas faire le premier refactoring, je vais vous montrer ce qui se passe quand on ne fait pas la vague. Je pars dans tous les sens, c'est pas grave. Ici, je vous ai dit qu'on aimerait avoir une méthode qui augmente le niveau d'abstraction. Si je fais un extract méthode, il appelle une méthode getSTR, ce nom est nul, mais de toute façon, on va, on va justement supprimer cette méthode après. Comme il s'agit d'une constante, d'une propriété, oh propriété, il nous a extrait une méthode qui fait self.name thisPlayerOneScore, c'est ce qu'on lui a demandé après tout. Mais ça veut dire que si je veux faire la même chose pour les, pour les player to score, je vais avoir deux méthodes. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça va être d'être capable de passer un score à un player et de convertir ce score en nom. Du coup, la fameuse vague, ou le tapis. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui dire, extrêmement une variable. Extrêmement une variable, s'il te plaît. Il extrait une variable. Ce qui veut dire maintenant que l'expression line 24, c'est quelque chose qui peut pas fonctionner sans le contexte qu'il a avant. Il a besoin de cette variable pour être capable de bosser. Donc on peut lui dire extrêmement une méthode. Et on voit que cette fois il nous propose d'ailleurs euh, idéal, il nous a déjà mis le paramètre qui est player one score. il a passé la variable directement. et on peut appeler cette méthode score to Tab Et là cette fois contrairement à tout à l'heure où quand on a fait l'extract de variable de méthode, oh, c'est compliqué. Hein. Quand on a fait l'extract de méthode, il nous a pas proposé il a pas reconnu le pattern Là cette fois il dit ok, j'ai retrouvé un autre endroit où ça, ça fait la même chose. C'est juste en dessous et je peux le remplacer pour toi. On lit de remplacer et on a bien notre méthode score scoreToPointName qui est utilisée pour les deux. Cette méthode scoreToPointName, si on va la voir, elle appelle bien la constante et elle prend en paramètre le player1 score, qui n'est a priori pas le bon mot, bon, mais score serait bien plus parlant. Et voilà comment on a réussi à faire les modifications aux deux endroits. Et là, c'est le moment de renrouler le tapis. On avait fait un extract de variable, on va faire le refactoring inverse qui est un inline. Donc voilà comment on a réussi à modifier ces deux lignes-là. vous allez me dire pour ce coup-là, les deux lignes, on peut les faire à la main, sans doute. Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de la vague du tapis, c'est de pouvoir enchaîner les coups. On va laisser la méthode getScore de côté. Euh, je voudrais juste vous parler d'extract de, de classe. Souvent on, est, assez souvent, on arrive sur des classes qui sont gigantesques où il y a plein de concepts entremêlés et on aimerait bien pouvoir en sortir des bouts pour euh, bah, avoir plus de lisibilité, potentiellement sortir, des, pouvoir tester des petites parties de ce code-là euh, de manière plus ou moins unitaire. Et ce qu'on peut faire ici, c'est de se dire que la, la responsabilité de transformer un score en nom de points, elle n'a rien à faire dans la classe Tennis Game 3. On aimerait avoir une autre classe qui est capable de faire ça. Si on vient là, si on, vient là, si on a encore le son, pardon, et qu'on fait Extract classe et qu'on lui dit Point Namer, vraiment c'est un cata où on n'essaye pas d'avoir les noms les mieux du monde. Hein, je et on lui dit, bah tu vas extraire score to point name, on dit refactor. Et là, il a pris la méthode score to point name, il nous a créé une méthode point namer, il l'a déplacée là-bas. On voit qu'il dépend encore du tennis game 3 euh, pour le point name, pour la constante. On va régler ce problème-là après. On aurait pu lui dire de le faire en un coup d'ailleurs, mais c'est moins drôle. Ici, maintenant, le contenu de notre méthode score to point name, ça va pointname euh, il va appeler un point namer, une instance de point à la propriété point namer, et il va appeler score to point name dessus. Si on va voir PointNamer, dans notre classe TennisGame3, il, il a créé une propriété PointNamer de type PointNamer. Et dans le constructeur, on voit il y a la petite barre verte à côté, là. il nous a rajouté ça là. Il nous a instancié un PointNamer. Donc on pourrait vouloir l le, le passer à la construction derrière, on pourrait faire plein de trucs. En tout cas, dans un premier temps, lui nous a fait ça. Euh, pour... Donc on a commencé déjà à splitter les responsabilités. Et maintenant, si on veut tester le PointNamer tout seul, on peut. Pour nettoyer, on va lui dire... Tu me déplaces ça dans le point-namer et il le déplace. Donc on voit qu'ici, pareil, l'in12, il a changé aussi. Le on ne fait plus l'appel à Tennis Game 3. Il passe directement par le point-names qu'il a là. Et enfin, cette méthode score to point-names qu'on a, qu a extraite une première fois. donc C'est un peu encore une histoire de tapis. On l'a extraite une première fois et maintenant elle fait juste un énorme passe-plat vers une autre classe. Elle ne nous sert plus à grand chose, donc on peut se dire, on l'inline. Et là, il nous dit, OK, est-ce que tu veux garder la méthode ou est-ce que tu veux la supprimer Et en fait, elle ne nous servira plus à rien parce que maintenant, pardon, on a un truc vachement mieux qui est d'appeler le point direct, donc on ne s'en servira plus. Refactor. Et on a réussi à modifier les deux lignes d'un coup en haut. Donc il y a cette idée de, on va extraire une méthode, pouvoir aller travailler dedans, et après on va inline et tout changer. Et c'est le moment où vous jouez. Et où je bois de l'eau. Armé de ce savoir, quels seraient les premiers pas pour être en mesure d'avoir un point dans lequel on va être, pouvoir aller modifier toutes nos lignes où on fait un new burrito pour être capable de, en un seul coup derrière, mettre en place le builder Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance Ok, tous les, les, les arguments. Et après, c'est quoi le coup d'après Extract méthode. Et coup d'après, ça sera quoi Ouais, vous êtes fort. On extrait les trois propriétés, les trois arguments, pardon. Juste sur le premier, vous voyez, on passe pas partout pour le faire. Sinon, ça perd un peu de son intérêt. On se met là, ligne 23, on dit extract method, new burrito, oui, s'il te plaît. Il fait une méthode qui s'appelle getBurrito, burrito. Bon, là on a de la chance, le nom n'est pas trop mal, des fois il s'appelle extract. Mais si vous êtes dans un process de faire des refactoring pour les enlever derrière, c'est pas très grave d'avoir un nom un peu pourri pendant quelques minutes, secondes. Si vous commitez ce truc là, essayez de mettre un nom un peu mieux pour les collègues qui se retrouvent pas avec des extracts partout. Mais du coup, get burrito, oui. Et là, il dit, ah, super! Et J'ai reconnu ça trois fois ailleurs dans le code. Est-ce qu'on le remplace Oui. Remplace-moi tout. Et on voit que ça y est. Maintenant, il a remplacé tous les new burrito par la méthode get burrito. Cette méthode getBurrito, elle instancie un nouveau burrito. On va pouvoir replier un peu notre tapis et on a un truc plus clean. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir se mettre ici pour créer notre pour, utiliser, pour mettre en place notre builder et l'appliquer partout d'un seul coup. Pour parler des builders, on va faire un détour par non, un détour, oui, les live templates. Les live templates, comme leur nom indique, sont un système de templates. Donc il va y avoir des variables sur lesquelles on va pouvoir mettre des données qui vont changer. Donc ça ne va pas toujours être le même résultat. Et live, parce qu'on peut aussi interagir de, avec en live. Live templates, moi je les ai découverts par hasard en voulant faire une méthode publique. J'ai tapé PU. Il m'a dit Est-ce que tu connais PUBF J'ai dit non. Tentez votre chance avec l'idée, des fois il va vous surprendre. PBF, TAB. Et là il m'a écrit public function. Il a mis là, je fais ok, c'est hello, TAB, string, name, TAB. J'arrive là, super. Il propose la suggestion pour euh, -sujet, la complétion pour mettre le type. TAB, j'arrive pile poil au bon endroit. Echo, hello, name. Et voilà. Donc on a été hyper vite, on n'a pas eu besoin d'aller chercher, de taper public function. De trouver où sont les parenthèses sur son Mac, de faire un deux-points, de mettre des accolades, d'aller se au bon endroit. En fait, on peut enchaîner tout ça extrêmement rapidement. Or, il n'y a pas que public fonction, évidemment. Il y a évidemment PRIF pour les private functions. Vous l'avez deviné, derrière, il y aura PROF qui n'est pas un des sept noms. Il y a également de quoi faire des méthodes statiques qu'on va appeler a et qui va. Je suis ok, euh, et donc ça ne sert pas uniquement à retourner des, des, à créer, pardon, à créer des fonctions, on peut s'en servir pour d'autres choses. Par exemple, forE, qui va nous permettre de faire un forEach hyper rapidement. Quand on tape forE, il nous écrit le forEach avec toute sa forme entière, il nous déclare la variable sur laquelle notre variable d'itération, pas celle sur laquelle on va itérer, notre variable d'itération qui va être item, et il nous met le curseur. Au moment où on va vouloir mettre à l'endroit où on va vouloir mettre le nom de la variable d'itération, et ici, du coup, on va pouvoir taper chanteur. On va avoir un chanteur. On va pouvoir retourner un chanteur. Et vous l'avez vu venir. <laughs> avec un peu de chance, <laughs> on n'a pas qu'une seule faute de frappe. On a un sting aussi. <laughs> voilà. Oui, je travaille mes fautes de frappe. <laughs> Donc voilà comment fonctionnent les live templates. Ça, c'est la partie rapide. Mais alors, pour découvrir ce qu'il y a comme live template, le plus simple, c'est de venir dans vos settings parce qu'ils ne sont pas vraiment documentés, de taper « live template » dans la barre de recherche, et vous voyez qu'il y en a plein. Alors, il y en a des complètement custom à moi, et il y a ceux existants. On va regarder comment et Même le public function, il est un peu custom chez moi, mais ce n'est pas grave, vous l'avez aussi. Comment fonctionnent les live templates Donc, ce sont des templates avec des variables, ce que je disais tout à l'heure, et quand on va taper « pubf », il va nous écrire « public function », il va nous mettre quatre variables. « name »,« parameters »,« return » et « end ». Ces variables, il va passer dessus dans un certain ordre, qui est l'ordre que vous allez découvrir si vous cliquez sur Edit Variables. Donc il va commencer par name, puis par parameters, et enfin il va passer sur return. Et tout à la fin, il va aller sur le end au dernier table. Chacune de ces variables peut prendre une expression. Les expressions, il y en a plein. On peut lancer un bloc de commentaires, on peut faire du camel case sur un truc en paramètres, ce qui veut dire qu'on peut chaîner les actions sur nos variables. On pourrait lui dire que name est le camel case de paramètres si on le mettait dans l'autre sens. Ce qui n'aurait aucun sens ici. Voilà. On peut aller lire le contenu de son copier-coller, du buffer du copier-coller. On peut lancer des commentaires, je l'ai déjà dit, il y a des choses sur les commits. On peut lancer l'autocomplétion et l'autocomplétion intelligente. Quelle est la différence Personne ne sait. <laughs> Donc essayez. Comme <laughs> Si vous créez un live template, vous essayez l'un ou l'autre. En vrai, je pense que des gens savent, mais moi, je sais pas. On peut faire de la concaténation, on peut avoir la date, on peut avoir le nom du fichier, on peut avoir le premier mot, on peut faire des scripts groovy, si on a vraiment envie de s'amuser et de faire des trucs fifous, ne pas en abuser. On peut avoir le nom de la classe, le nom de la classe courante, on peut lui demander de suggérer des variables. Il y a phpVar qui lui est même pas documenté comparé aux autres. Bon, les autres on ne sait pas vraiment la différence, mais lui il n'est pas documenté. Donc on va voir qui sert juste derrière. Donc il a son use case. On peut faire des expressions régulières. Donc prendre des variables et travailler dessus. Bref, on peut faire plein de trucs. Ce que je vous disais justement, bah, Parameters, il prend le fameux PHP bar. Il a l'air d'être hyper pratique pour pouvoir taper des paramètres dans une fonction. Et Return, lui, lance l'autocomplétion, ce qui fait que quand on avait fait Tab, on arrivait derrière, et là, il y avait le système d'autocomplétion qui s'est lancé, qui a proposé tous les types possibles d'autocomplétion. Et après, on fait Tab, il l'autocomplète, et on arrive ici, au niveau du End, pour pouvoir continuer à bosser. Les. Il y a des contextes d'application pour les templates histoire de pas les avoir partout. Genre ne voulez pas forcément faire une méthode publique qui fonctionne dans un truc HTML ou dans un fichier ASCII doc. Pas trop d'intérêt. Du coup vous êtes capable de dire, lui il va fonctionner euh, dans un class member ou dans un trait member. C'est le seul endroit a priori où vous voulez créer des méthodes publiques. Vous voyez qu'il y a plein de trucs possibles. Et il y a other, ce qui veut dire qu'en fait les templates vous pouvez les utiliser à peu près n'importe partout, n'importe où dans PHPStorm, genre dans les messages de commit ou dans le système d'intelligence artificielle de PHP Storm, si vous voulez. Euh, ils ont un espèce de chat GPT là -like qui est inclus. Et dans les trucs, où vous pouvez lui parler, vous êtes capable de lancer des live templates. On peut faire des trucs rigolos avec, j'imagine. Mmh. On a vu PUBF, je voudrais vous montrer Forer, et après on va essayer de créer des trucs un peu plus tordus. Forer, quand on a Fore, il fait un Foreach, il a trois variables, iterables, their value et end. Oui, L'idée est plutôt simple. La définition des variables, c'est iterable en premier. Iterable, pas d'expression rien. C'est là où tout à l'heure j'ai mis chanteurs avec le pluriel. Et var value, il va utiliser PHP suggest variable names. Il a une valeur, a une valeur par défaut qui est items. C'est pour ça qu'au départ il nous avait affiché item. Et quand j'ai écrit chanteurs, il a dit ok, maintenant je suis capable de suggérer un nom hyper malin. Est-ce qu'il ne pourrais pas chanteur à la place Ce qu'il a fait. Parce qu'il est capable de se dire en fait on est en train d'itérer sur une boucle, sans doute que la variable sur laquelle on va notre variable d'itération c'est le même nom au singulier. Donc on peut lui laisser faire une partie du travail. Et tab, on arrive ici. La variable end, choisir où est la variable end, c'est genre la moitié du travail quand on fait un live template. Ça paraît con, mais c'est ça qui vous permet d'enchaîner les live templates les uns avec les autres ou avec d'autres outils de PHP Storm et qui va faire qu'en fait le workflow qui est bien, pas ça, trop cool. Par exemple, dans les tests, j'ai quelques opinions sur les tests. <laughs> euh, et j'écris beaucoup de tests. J'aime pas utiliser le préfixe test devant le nom de méthode de PHP-Unit. Je préfère utiliser annotation. Mais du coup, c'est bien plus pénible à taper. Du coup, j'ai un addT qui va me déclarer une variable addTest, enfin, qui, va me qui va me créer une fonction de test et qui va ajouter l'annotation. Et on voit que name, pareil, elle sert à. C'est une expression normale, donc on va pouvoir écrire dessus directement, et quand on va faire tab, on va aller se mettre directement dans le corps du test pour pouvoir commencer à écrire. Mais parfois, quand je suis inspiré, que j'ai plusieurs idées de tests les unes à la suite des autres, je peux me servir de mes tests comme d'une to-do list. Et dans ce cas-là, je peux taper add TS, et il va me faire un test, donc je vais pouvoir marquer le nom, il va me le marquer en skip, comme ça il va me laisser tranquille pour la suite, et le N, il va se mettre derrière. Ce qui fait qu'on peut enchaîner les add très très vite, et noter toutes nos idées, sans avoir à... Essayer avec les flèches de se positionner au bon endroit pour faire la suite. Ce qui donne à l'usage, ATS, une idée, ATS, une autre idée, et AT, un test, tab, qui ne marche absolument pas, un test, et il s'était mis là, mais je peux vous le refaire, non pas très utile. Donc voilà où est l'intérêt du NCDS, passer au bon endroit. Maintenant que vous avez l'intro sur les live templates, on va créer notre builder. On va faire une new class de Burrito Builder. On a parlé des wizards juste avant. Je ne savais pas que c'était un monstre dans un jeu vidéo. Pour moi, c'était un groupe de rock. Euh, dans les builders, on a des méthodes de paramétrage pour construire nos builders. En général, la norme, c'est de les appeler with ou d'avoir des noms un peu plus sympas. Et du coup, moi, j'ai fait des live templates pour juste faire with, tab, et il me crée toute la fonction directe. Et là, il me lance l'autocomplétion en me disant Ok, tu veux mettre quel type C'est là où on a vu que nos burritos, ils prenaient un prix, des ingrédients et une sauce. Ok, bon, on va s'occuper des ingrédients. Je lui dis with ingrédients, tab. Il vient ici, il me dit Ok, est-ce que ça t'intéresse d'appeler cette variable ingrédient ?»« Oui, merci, c'est le nom parfait. Il va le mettre partout. On voit qu'il génère directement le nom de la méthode soit on ne se fatigue pas, et il s'est mis juste à côté du clone d'ingrédients, ce qui permet de faire un alt entrée, le raccourci magique de PHP Storm à faire à tous les endroits si vous ne savez pas quoi faire. Passer une journée à faire alt entrée sur tous les trucs. Vous allez apprendre plein de choses. Tout ce qu'il sait faire. Et hop, il nous fait la property directe. Donc on est capable de le faire hyper vite. Évidemment, l'idée, c'est que vous soyez capable de le recréer vous-même, sinon ce pas drôle. Weave. Oui, quand on fait with tab, il va créer une fonction fun with avec plusieurs variables, une variable names, paramètre type, paramètre name, et on voit que paramètre name, il est utilisé plusieurs fois, et end. Bon. Paramètre type, du coup, c'est le premier, c'est celui qu'on a là, qui est le, euh, le nom du paramètre, le type de paramètre. Donc là, il lance l'autocomplétion, c'est là où on peut choisir ingrédient. Après, on fait tab, il vient se mettre sur... Parameter name qui est juste à côté. Je vous demande de me croire, je n'ai pas envie de vous réformer. Parameter name, et là il va lancer l'autocomplétion aussi. Donc il a vu que c'était ingrédient, il se dit Ok, je te propose une super autocomplétion qui va être d'appeler de de, cette variable ingrédient en minuscule. Et enfin, name qui va être un capitalize de parameter name. Donc on a mis ingrédient en, en minuscule, lui il va nous mettre ingrédient en majuscule. On va aussi lui dire. Skip is defined. Donc, si tu as une valeur, tu ne vas pas là-bas, quand on va faire tab, tu ne veux pas monter sur la, vari la... la variable name pour me proposer de la changer. Je m'en fous. A priori, tu es bon pour ça. Ce qui va nous permettre ici d'avoir du camel case. Et enfin, le end, il se met là pour justement pouvoir enchaîner le workflow hyper vite. Donc, maintenant, à pleine vitesse, pour la sauce, on peut taper sauce, sauce. Hop. Voilà. Impressionnant ou pas, je ne sais pas. Weave. On a aussi les prix à faire. Les prix, euh, c'est des flottes Donc là, il est perdu, l'autocomplétion, il ne va pas nous proposer une variable qui s'appelle flotte Donc on va lui dire, ok, bah, c'est un prix. Et il nous a quand même fait tout le travail tout seul. Et c'est bon. Alors là, on a le début, on a ce qui nous permet de configurer notre builder. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même qu'à la fin, on arrive à avoir un burrito. On va quand même pas s'amuser... À côté de ça, ça serait beaucoup trop de travail pour pas grand chose. Si on passait trois quarts d'heure, <laughs> j'ai rien à la place place. <laughs> um, public function build qui a trois, vari quatre variables avec la, non trois variables avec la variable n qui est là. Um, donc comment sont définies ces variables? Type, c'est là où on va pouvoir prendre les regular expressions et s'amuser un petit peu avec et enchaîner plusieurs expressions les unes avec les autres. Type, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller choper le nom de la classe. Donc on est dans Burrito Builder. Il passe ça à la Regular Expression qui dit OK, dès que tu vois Builder, tu l'enlèves. Donc tu veux un Burrito. Et on lui dit bah, passe pas dessus, comme ça on s'en met pas, on gagne du temps. Et ensuite, on va aller lancer l'autocomplétion sur les paramètres. Et on va aller mettre NDC. Et on peut faire un truc encore plus marrant. Il se trouve que. On peut générer des UID avec. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Il se trouve qu'on peut mettre un live template sur la virgule. Du coup, vous pouvez faire virgule, tab, et lancer des choses derrière. Et là, en l'occurrence, ça lance l'autocomplétion intelligente. Ce qui veut dire que si on tape build, qu'on fait tab, il nous a mis burrito. Je veux un new burrito. Il l'a fait tout seul avec la regex. Et là, il a lancé l'autocomplétion. Comme il connaît les types des arguments de burrito et qu'il connaît les types de la classe qui est au-dessus, il est capable de nous les proposer dans l'ordre. Donc, on lui dit price, tab, virgule, tab, virgule. Table. Et voilà, <laughs> c'est fait. Pour voilà, c'est ouais. beaucoup de travail pour pas grand-chose. <laughs> Je vous l'accorde. Après, il nous reste un truc à faire, c'est la méthode qui va, la fonction qui va encapsuler le, le la, la construction du burrito builder, comme ça un truc beaucoup plus lisible plutôt que d'avoir un new burrito builder. Entre parenthèses et de chaîner des trucs, on peut faire un e burrito, ça sachant mieux. C'est la même technique, c'est encore la regex. Je vous la montre pas, on gagne du temps. On peut maintenant aller dans l'invoice test et écrire e burrito with sauce, sauce, oui, with ingrédients, Ingrédient. with price, price, build, Hop. Les tests passent toujours. Les tests passent toujours si j'enlève ça. Ça, vous le saviez. C'est cool. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est virer sauce et ingrédients. Ça ne nous intéresse absolument pas. On veut juste garder le with price. Si j'enlève ça, les tests échouent. Les tests échouent parce que ce que nous dit PHP, ingrédients must not be accessed before initialization. Et effectivement, quand on construit notre new burrito, on n'a pas de valeur pour ingrédients, sauce et flotte. Des prix. Du coup, on va mettre des valeurs par défaut. Si vous faites des builders, mettez des valeurs par défaut, ça veut dire qu'après vous êtes vraiment capable de mettre que les informations qui vous intéressent. Poussez le truc plus loin, mettez des valeurs random, comme ça ça va détecter tous les trucs où vous avez mis des valeurs en dur dans votre code. Ici, on va mettre un constructeur. Dans ce constructeur, on va lui dire on veut rien. Et on va lui mettre des valeurs par défaut. On va lui mettre une sauce qui va être une sauce. Voilà, un prix à 19 balles. C'est cher. Des ingrédients et là les ingrédients par contre on va pas se fatiguer ah oui j'ai oublié de vous dire que bon tant pis pas, pas du TDD de toute beauté le test passe pas on continue à travailler pas grave. et on met des ingrédients par défaut il y aura du poulet si je relance les tests cette fois les tests passent donc maintenant on a notre expression eburito with price build qui a un endroit extrêmement bien placé pour nous permettre de dire inline vous l'aviez vu tout à l'heure on ne veut pas de cette méthode-là, elle ne nous sert plus à rien. Maintenant, on a un super outil pour pouvoir avancer. Refactor. Et il a fait le travail pour nous. Au détail près, qu'il y a actuellement un bug et que le ticket est ouvert. Et qu'il a mis des alias avec des numéros. Donc, il faut faire un travail manuel. On doit pouvoir trouver une solution dans PHP Storm pour qu'il corrige le truc derrière. Mais on va attendre qu'il corrige le bug. Meilleur usage de notre temps pour une fois. Et voilà, on a réussi à modifier le truc. Sans, sans trop de fautes de frappe et assez rapidement. Quel est l'intérêt de faire ça dans un monde où il y a de chat GPT <laughs> C'est la question que vous devez vous poser, que je me pose aussi depuis qu'ils ont ouvert le système de intelligent. Il faut savoir que désormais... Euh, alors les, les refactos, si je pense que ça, on ne va pas y couper, il faut les garder, quoique. Mais ouais, c'est toujours utile. Euh, on est capable désormais de mettre nos propres prompts dans IntelliJ, donc de lui dire euh, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, et notamment lui dire ok, alt-entrée, le fameux. Et moi, je devais faire un prompt pour qu'il me génère, qu'il me, qu me crée des builders tout seul. Donc je lui ai expliqué plein de trucs sur mes builders. Je lui ai dit euh, je veux qu'il soit immutables, donc tu vas utiliser du clone. Je veux que les méthodes s'appellent with, sauf si tu es assez malin pour trouver un autre nom. Genre plutôt que d'appeler un, une personne en lui disant personne with name. Bah, une personne named, c'est pas mal. Donc, ça, c'est le gros intérêt d'utiliser l'IA pour faire ça, c'est qu'il va être capable de nous donner des meilleurs noms. Je lui ai expliqué que j'aimerais bien qu'il continue d'appeler la méthode build, build, et pas un autre nom complètement exotique, ce qui change ça, qu'il soit capable de me générer des valeurs par défaut aussi. Comme ça, on n'a pas à le faire. Et il est capable de faire tout ça. Et aussi qu'il me crée directement la fonction euh, qui encapsule la création du, du builder. Comme ça, pareil, pas de travail. Et on lui passe la classe directement. Et à la fin, il nous retourne un burrito builder sur lequel il a mis des valeurs par défaut. Et je dois dire que je trouve ça de plus en plus chelou parce que plus je m'entraîne sur la conf, plus il est précis et plus ça ressemble à celui que j'ai fait juste avant. Mais promis, j'ai pas triché. C'est vraiment lui qui le fait, mais je ne comprends pas ce comportement. Je me l'explique pas parce que je pensais qu'il n'avait pas tout le contexte. Mais on voyez que cette fois, il a utilisé costing à la place de de with price et qui nous a tout créé, qui nous a bien mis les paramètres et qui nous a mis les valeurs par défaut là-haut. Et qui nous a généré le Burrito Builder. Voilà pour les AI. Et comme je suis en avance, ce que j'explique pas bien, donc il y a des trucs que j'ai pas dû vous raconter. Donc si vous avez des questions, on en parle après, c'est que j'ai peut-être coupé des trucs. À un moment vous avez dû me voir faire un truc un peu bizarre. Oh là là. Voilà, c'est pour, pour ça que je fais tout pour ne pas avoir à écrire. C'est une catastrophe dès que j'essaye. Voilà. Un truc un peu rigolo, c'est la postfix complétion. Je l'avais mis dans le sujet, j'ai eu le temps de vous en parler, donc c'est cool. La postfix complétion, ça vous permet d'écrire du code après le code, mais d'agir avant le code. C'est magique. À un moment, j'ai fait new burrito et j'ai écrit ret. Il nous a mis le return devant. Et en fait, comme on est après le code, il, est, il a du contexte, donc il est capable de faire du travail pour nous, notamment si on fait var, il va nous générer la variable. Donc on n'a pas besoin de générer les variables. On peut laisser générer les noms une fois qu'on a écrit ce qu'on voulait mettre dans la variable. Technique de feignant. La post complétion, elle est de base dans PHP Storm. Il y a moins qu'il faille l'activer. Euh, il y a quelques trucs dedans. Il y a return, var, il y a des trucs pour faire du. note nul. C'est ça qu'il nous teste si c'est note nulle. Après, le but dans ces cas-là, c'est d'éviter d'avoir du nul dans son code. Encore une autre histoire. Euh, mais parfois, vous pouvez avoir la tentation de vouloir vous dire « j'aime beaucoup cet outil et j'aimerais créer mes propres live templates » et il y a une extension pour ça qui s'appelle « custom postfix template » et vous pouvez créer les vôtres. Par exemple, « new burrito ». Moi, j'aime bien dans mes tests que la variable qui contient le résultat du système commence par « actual » et que là-bas, qui contient le résultat, de ce que, enfin, le résultat espéré, ça s'appelle expected. Et du coup, je me laisse ici, si je tape AV, Actual burrito, il le fait tout seul. J'en ai un autre, burrito EV, il le fait tout seul. Et enfin, on peut le laisser partir sur un autre live template, où en fait, le live template, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit assert equals. Expected et Actual. Il a déjà mis les noms, il sait que c'est Enfin, je mets les noms dedans parce que c'est toujours ceux-là que j'utilise. Et après, il avait lancé l'autocomplétion deux fois. Donc, on fait tab, tab, et on a écrit notre test à une vitesse impressionnante. Enfin, on n'a pas fait grand-chose dans notre test, je vous l'accorde, mais bon. Voilà, la post Completion a un jeu assez drôle. Et du coup, il reste du temps, il semblerait, euh, mais quand même. Du coup, je m'appelle Charles, je suis dev, archi, coach tech en freelance, euh, j'ai un adresse mail et je suis sur Twitter. Invitation à euh, prendre deux minutes entre le changement de speaker pour vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place lundi Est-ce que j'ai envie de lancer mes tests de manière automatique dans mon IDE ou juste pouvoir les lancer dans mon IDE parce que c'est vraiment trop bien Est-ce que je veux pratiquer les refactorings avec mes collègues lors d'un kata un midi et enchaîner avec la métaphore de la vague et pas du tapis ou est-ce que je veux, euh, <laughs> je veux passer une après-midi entière à créer des live templates Il y a trois liens derrière. Il y a un lien pour mettre le feedback. Euh, il y a un lien avec live templates. j'ai fait un site où du coup je vous partage mes live templates, comme ça, ça vous donne de l'inspiration pour les vôtres. Si vous en créez, si vous en créez des trop cool, envoyez-les-moi. Euh, comme ça, moi j'apprendrai, j'aurai d'autres idées et tout. Ce serait trop cool et je vends, je vends ma soupe. Euh, J'ai une formation vidéo sur les tests où j'utilise pas mal de ces techniques pour modifier les tests qui permettent d'améliorer les tests automatisés. Et du coup, il y a 30% jusqu'à la fin du mois parce que c'est le Forum BHP. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris des trucs. Je ne sais pas si on a eu du temps pour des questions. On n'a pas de temps pour des okay. questions, mais moi, je reste dans le coin je suis là ce midi. Donc, on se croise et on discute. Et voilà, si vous voulez jouer à vos idées, on, on joue à idées.